retrouve avec Denis Charbit. Bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes donc professeur d'université et vous venez d'éditer ce livre, Un retour à Alteneland, la traversée des utopies sionistes aux éditions Éclat. Poche. Alors Denis Charbit, Théodore Herzl qui est le premier à imaginer un État juif, et pourtant lui, il prenait une seule chose, l'assimilation des Juifs. C'est étonnant comme démarche. Alors c'est vrai que Théodore Herzl avait pour projet initial l'idée d'une assimilation des Juifs. Mais il faut poser la question, une assimilation à quoi ? Eh bien, dans la mesure où à la fin du 19e siècle, depuis le début du 19e siècle en fait, les peuples deviennent indépendants, deviennent souverains au sein de leur État, eh bien ils pensent que la condition juive qui lui paraît anormale, qui lui paraît une sorte d'anomalie par rapport à cette logique-là, eh bien il veut assimiler les Juifs au modèle de l'État. Mais ça vient, oui, effectivement, après une réflexion initiale consistant à les assimiler par la conversion religieuse au christianisme. Et il va jusqu'au bout, puisqu'il demande même au pape de venir pour convertir des milliers de Juifs. Il a quand même été jusqu'au bout de son idée. Hein. Alors, jusqu'au bout, oui, en termes de plan, en termes de projet, il ne faut pas oublier, Herzl est un dramaturge. Il voit les choses comme un spectacle. Et donc cette idée de voir des Juifs rassemblés avec une bénédiction du pape, ben, ça lui parle, je dirais, comme ça parlerait un cinéaste ou comme ça parlerait un metteur en scène. Mais voilà, ça reste quand même à l'état de projet. Il ne va pas aller tellement loin, ça ne prendra jamais autant l'importance qu'a pris chez lui le mentionniste. Au départ, là aussi, une idée aussi folle. Mm-hmm. Faut bien comprendre, aujourd'hui, ça nous paraît très normal. Mais à l'époque, c'est aussi extravagant que de convertir les Juifs. Puisque il y a eu plus de gens qui se sont convertis de Juifs qui se sont convertis au christianisme qu'il n'y a eu de gens qui ont décidé d'aller faire un état. Bien sûr, mais quand on imagine un Juif assimilé, on se dit un Juif honteux. Est-ce qu'on peut dire que Théodore Herzl, Denis, c'est un Juif honteux? Non, je ne crois pas. C'est un Juif libéral. Il a fait sa bar mitzvah. Il n'a pas circoncis son fils. Hein. Non, effectivement. Non, ça prouve bien qu'il était dans une sorte d'entre-deux. Mais incontestablement, la question juive le préoccupe. Il va se battre en duel lorsqu'il va être étudiant en droit avec le chef d'une organisation étudiante qui a décidé de ne pas recruter, qui s'oppose au recrutement d'étudiants juifs. Bon, pour le défendre un petit peu quand même, c'est vrai que tous les pères fondateurs, ils avaient tous un petit peu cette même ligne. Zev Jabotinsky, c'était ça. Ben Gurion, c'était ça. C'était finalement un sionisme où il n'y a pas de religion. C'était la seule manière peut-être d'avoir un pays parce qu'il fallait plaire au monde. Alors, je ne sais pas si la mise en retrait du judaïsme est dictée par la nécessité d'obtenir une légitimité internationale. Les pays ne lui ont pas dit, il ne faut pas que la religion ait un rôle, c'est votre affaire, c'est une affaire intérieure. Non, ça reflète une époque qui est dominée par le progrès, par le scientisme. On a le sentiment, à l'époque, que les religions vont disparaître, que ça, elles vont devenir comme des réserves naturelles. Il y en aura toujours quelques-uns, mais ils seront de moins en moins nombreux. Et d'une certaine manière, pour lui, c'est sauver le peuple juif que de le regrouper dans un territoire pour qu'il se constitue en État, pour qu'il ne soit plus dépendant du bon vouloir, du prince, du président, du tsar, que sais-je encore. Alors lui, ce qu'il aimait le plus, c'était ses valeurs allemandes. Qu'est-ce que c'était que ces valeurs allemandes qu'il chérissait tant ? Bah, je crois que c'est les valeurs de l'Europe, c'est les valeurs de l'Europe occidentale, c'est l'idée libérale, c'est l'idée de l'État, c'est l'idée d'une société hiérarchisée dans laquelle il y a un ordre, et ceci par rapport, je dirais, à l'Est ou à l'Orient, qui lui apparaît effectivement extrêmement désordonné, extrêmement troublé. Et c'est vrai que quand on lit l'état des Juifs, et même quand on lit son utopie, Altneuland, Nouveau Pays Ancien, eh bien on se rend compte que effectivement il veut mettre de l'ordre dans tout cela, dans cette condition juive qui est un peu désordonnée, qui suscite beaucoup de problèmes. Eh bien voilà, il veut essayer de lui appliquer, comme il dit, une conception moderne. Mmh. Et en ce sens, c'est vrai que c'est un produit de l'Occident, de l'Europe, voire de l'Allemagne européenne. Pourtant, Denis, il a fait sa bar mitzvah, il a eu des très bonnes notes à l'école religieuse. Oui, c'est vrai, c'était de ce point de vue-là un juif, élevé non pas dans une famille assimilée comme on le dit, hein, encore une fois le mot est un mot tiroir, qu'est-ce qu'on y met dedans, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors bien sûr, la famille Herzl a adopté les valeurs occidentales, il s'habille comme on s'habille en Europe à cette époque, mais il fait effectivement, alors sa bar mitzvah, dans l'invitation il y a écrit confirmation, hein, la confirmation, hein, comme on le dit, enfin c'est emprunté directement au vocabulaire chrétien. En tout cas, il y a quelque chose qui est fondamental.
fondamental dans sa vie, et ça, ça le change complètement d'optique, c'est l'affaire Dreyfus, puisqu'il est journaliste, il est envoyé spécial en France, et il suit cette affaire, et l'injustice va tellement loin que là, il estime, il prend conscience que, finalement, la seule manière de régler cette question juive, c'est la création d'un pays. Effectivement. Alors, il y a d'une part l'affaire Dreyfus, et attention, quand l'affaire Dreyfus éclate, il écrit dans son journal, je ne comprends pas comment Dreyfus a pu espionner alors qu'il a tout obtenu de la France. Donc, au départ, il est même dans le même schéma d'un juif qui décide de trahir... C'est ce qu'on appelle le mainstream. Voilà, exactement. Mais ce qui va le bouleverser, comme vous dites, c'est qu'il va assister à la dégradation d'Alfred Dreyfus, il ne va pas beaucoup prêter attention au cri « je suis innocent », mais en revanche, il va entendre la foule, celle qui crie « mort aux Juifs », et il comprend bien que « mort aux Juifs », ce n'est pas au singulier, ce n'est pas mort à ce Juif en particulier, mais c'est mort aux Juifs en général. Et là, il est bouleversé. Pourquoi ? Il est bouleversé parce que, pour lui, il sait, comme tout autre Juif en Europe, que la France, c'est la patrie de l'émancipation, c'est le premier pays en Europe à avoir accordé l'égalité des droits aux Juifs. Et voilà qu'un siècle plus tard, un siècle et cinq ans, ben voilà que si au niveau de l'État, c'est toujours le cas, mais au niveau de la populace, au niveau du peuple, ben, les choses ne sont pas encore véritablement rentrées dans l'ordre. Il faut ajouter un autre élément, c'est que la même année, l'empereur François-Joseph, à Vienne, a décidé d'autoriser des élections municipales. L'Empire austro-hongrois n'est pas une démocratie et il commence par le niveau local. Et qui l'emporte à la mairie de Vienne ? Un maire, un candidat qui affiche ouvertement ses positions antisémites. C'est tellement grave que l'empereur François-Joseph a décidé de récuser le résultat de l'élection, mais il se dit, en fait, et ça c'est important, et c'est très original et très, très, très audacieux, il dit, mais quand on donne des droits aux gens, quand on leur donne le suffrage universel, qu'est-ce qu'ils en font ? Eh bien, ils en tirent parti pour mettre les Juifs, pour marginaliser les Juifs. En fait, on ne veut pas de l'émancipation des Juifs, ni à Vienne, ni à Paris. Dans un pays. Voilà. Et donc, ailleurs, du coup, il dit la solution c'est un État. État. Voilà. Alors, justement, c'est à ce moment-là qu'il va écrire Altneuland, pas très loin de Tel Aviv. On a l'impression que c'est complètement différent. Il y a des points communs quand même. Alors, c'est ce que vous dites dans votre livre. C'est ce que j'ai dans mon livre, effectivement. Alors, il va créer d'abord l'État des Juifs. Il hésite, en fait, vous avez raison. Il hésite, il se dit, est-ce que je commence par une utopie ou bien je commence par un manifeste programmatique ? Voilà, état des lieux. Exactement. Et il se dit, non, il vaut mieux commencer par quelque chose de programmatique parce qu'il a peur, justement, de la dimension utopie. Parce que utopie veut dire c'est impraticable, c'est irréalisable, un rêve, etc. Alphonse Daudet, par exemple, qu'il rencontre, puisqu'il est à Paris, lui conseille d'écrire un... Voilà, imaginez comment sera cet État juif dont vous parlez. Et puis il se dit, c'est pas le moment. Il le fera, mais quelques années plus tard, en 1896, lorsqu'il publie ce premier livre, il conçoit qu'il faut commencer par poser la solution comme telle. Il faut que ça apparaisse rationnel, il faut que ça apparaisse possible, pratique. Après, on rêvera. Pour l'instant, on commence à mettre les choses en place. Il a quelques pas sur l'antisémitisme pour dire que l'antisémitisme est une maladie chronique des sociétés. Ça peut monter, ça peut descendre, ça ne disparaîtra jamais. La question, c'est pas est-ce que les Juifs sont en danger. Il dit quand les Juifs seront-ils véritablement en danger. Donc, il fait un constat. Donc, de toute façon, c'est clair, ils sont en danger. Ils sont en danger, voilà. Et il fait un constat pessimiste. À partir de l'exemple viennois et à partir de l'exemple parisien, il fait un constat pessimiste sur la possibilité pour les Juifs de s'intégrer. Ils peuvent s'intégrer, ces Juifs-là, mais ils vont être rejetés tôt ou tard. Et donc, il faut penser un État juif. Et ce qu'il va faire dans ce livre, qui n'est pas un très gros livre, sur le plan nombre de pages, eh ben, c'est de poser comment on va y arriver, comment on doit procéder et à quoi ressemblera cet État juif, où doit-il se situer. Voilà, il se pose en homme pratique. Il a le sentiment que là, il tient une cause qui lui laissera un nom à la postérité. Ce qui est vrai, comme dramaturge, on l'a complètement oublié. Comme homme visionnaire et politique, là, effectivement, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Surtout quand on se souvient que tout ça ne dure que 9 ans. C'est en 1895 qu'il commence à écrire l'État des Juifs. C'est en 1904 qu'il meurt. Moins d'une décennie, et pourtant il va transformer, il va changer, au point que, même s'il y a eu des gens avant lui qui ont pensé à cette idée d'un État juif, c'est après lui qu'on comprend que c'est irréversible. Alors, c'est engagé. Juste...